Comme à l'honneur, c'est une conférence qui existe depuis 6 ans à l'UJICAM. Chaque année, c'est des étudiants qui l'organisent dans le cadre de projets qu'on doit mener pour notre Master 2. Nous, cette année, avec notre groupe, on a décidé de faire une conférence qui permettrait de mettre en valeur en fait, des entreprises qui étaient nées à Marseille et qui avaient réussi au niveau national, voire international. On trouverait ça intéressant parce que ça permet de montrer notre image de Marseille plutôt que de dire que finalement, des grandes entreprises sont à Paris. C'est pas vrai, on en a aussi dans notre région et c'est important de le montrer. Les étudiants ont l'habitude de venir en cours, d'assister à des cours plutôt théoriques. Là, c'est vraiment l'occasion pour les étudiants d'entendre des professionnels de la com qui viennent partager leur expérience. Du coup, c'est plus parlant pour eux et c'est plus enrichissant. Il a fallu réfléchir à une problématique, des invités qui justement correspondraient à cette problématique, faire des démarches, des invitations, créer une plaquette de l'événement, voir toute la logistique qui allait avec ça. Ça nous a permis de voir un autre aspect de la communication, à savoir la communication événementielle, et on s'est rendu compte que c'était vraiment un travail de grande envergure. Voilà, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à élaborer, à mettre en place. C'était très enrichissant. C'est toujours sympa de travailler en groupe parce qu'il ne peut y avoir qu'une bonne ambiance et puis tout le monde peut participer, donner des idées, c'est très créatif et moi c'est ça qui me plaît. Ça nous permet aussi d'avoir des contacts en fait pour la suite. Je me dis que ça pourra toujours servir dans la vie professionnelle.